Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'OPSA du vendredi 25 août. Incertitude sur les marchés financiers et prudence avant les conférences annuelles de Ben Bernanke à Jackson Hole. Après trois séances d'embellie en début de semaine, c'est à nouveau le rouge qui domine à la Bourse de Paris. Le CAC tiré vers le bas par Wall Street abandonne 0,65% à 3119 points. Une fois n'est pas coutume, le secteur bancaire résiste. Crédit Agricole bondit de 4,8% grâce à un bénéfice net supérieur aux attentes au deuxième trimestre. Outre-Atlantique, le discours du patron de la Fed est donc très attendu par les marchés américains. Des marchés qui sont mal en point et sous influence négative des marchés de l'emploi et de l'immobilier qui ressortent en dessous des attentes. Résultat, les deux indices américains qui ont pourtant débuté en hausse dans les premiers échanges basculent également dans le rouge en fin de séance. On a moins 1,51% pour le Dow Jones à 11 149 points et le Nasdaq perd 1,95% à 2 419 points. Du côté du marché d'échange, l'euro, dans l'attente du discours de Bernanke, se replie légèrement à 1,4364 $. Côté matière première, le baril de brut s'échange à 85,30 $. Sur le marché des dérivés, les volumes sont stables à 37 millions d'euros échangés dans une séance débutée en hausse mais terminée en repli. Le ratio call-put global reflète la journée avec seulement 43% de call contre 57% de put. Les varantistes comme les investisseurs en turbo sont plus vendeurs qu'acheteurs. Concernant la répartition par type de produit, les indices, les benchmarks 100% restent les produits les plus échangés avec 35,5% du marché. Les varans représentent 34% et les turbos 27%. En ce qui concerne la répartition par sous-jacent, les indices sont en hausse à 66%. Les matières premières restent élevées à 23%, toujours favorisées par les échanges sur les métaux précieux. Et les actions accusent, elles, un fort repli et sont à 10%. Dans la top 10, on retrouve le CAC 40 à 38%, suivi par l'or à 20%. Côté matières premières, on retrouve aussi le pétrole et l'argent. Côté actions à suivre, les sous-jacents sont diversifiés. On retrouve le fabricant de pneumatiques Michelin, le luxe avec LVMH, le secteur des cosmétiques avec L'Oréal et l'automobile avec Renault. La valeur du jour, c'est aujourd'hui France Télécom. Graphiquement, le titre est coiffé par une droite de tendance baissière en place depuis novembre 2010. Les moyennes mobiles à 20 et 50 jours sont orientées négativement et font actuellement office de résistance. Dans ces conditions, une poursuite de la baisse en direction des 11,95 € et des 10,90 € est à attendre. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du varant de put France Télécom à 4 894 tête d'UniCredit au prix d'exercice de 13 € et d'échéance au 2 décembre 2011. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à lundi.